Il est nécessaire de changer les membranes de temps en temps sur votre aérateur. Vous pouvez le remarquer s'il y a peu d'air qui sort de la pierre de diffusion ou si la pompe fonctionne mal. Procédez de cette façon. Débranchez l'appareil. Préparez les membranes de remplacement et un trombone. Retirez les quatre vis du bas avec un tournevis cruciforme. Retirez le couvercle. Retirez les deux vis sur la fixation de câble, puis retirez les quatre vis sur le carter du moteur. Enlevez le joint du couvercle et retirez le bloc moteur. Retirez les quatre vis à l'extérieur du bloc moteur. Retirez le moteur à l'aide du trombone. Retirez les vis des deux côtés de la membrane. Retirez l'ancienne membrane et remplacez-la par la nouvelle. Attention à bien la positionner. Vissez la membrane des deux côtés. N'oubliez pas les joints. Mettez la membrane dans le bloc moteur. Veillez à ce que les deux joints se trouvent sur les sorties d'air. Fixez le moteur avec 4 vis dans le bloc moteur. Vérifiez si les joints entre la crépine du bas et le bloc moteur sont bien fixés. Fixez le bloc moteur avec 4 vis dans la crépine inférieure. Enfin, installez l'embout du câble. Placez la bague d'étanchéité du boîtier et serrez les vis. Terminé. Après le changement des membranes, l'aérateur fournit de nouveau la quantité d'air initiale. Dans tous les cas, référez-vous toujours à la notice d'utilisation.